mère. Voilà, je te fais une fille de... qui fait en sorte qu'on n'a plus de limites, on n'a pas de moralité, on n'a pas de conscience. C'est-à-dire, le fait qu'on va être connu et vu, nous, on fait n'importe quoi sans limite. Je dis, on fait n'importe quoi sans limite, c'est-à-dire, pour les vues, pour la notoriété. On a tué la honte. Je vous dis que moi, j'ai un problème, c'est que j'ai trop honte. On a tué la honte. Il y a ce que j'ai toujours dit ici, j'ai toujours tiré sur certaines choses concernant la femme. La femme, c'est la noblesse. C'est la femme qui donne la vie. L'homme ne peut pas donner la vie, c'est la femme qui donne la vie. Ça veut dire qu'une femme qui ne se respecte pas, c'est la honte d'une génération. Quel qu'en soit ce qui va arriver plus tard. Je vois que depuis quelque temps sur la toile, nous sommes en train d'assister à un phénomène sans honte, sans filtre, sans... Mais attends, le mot me manque. Ça veut dire qu'on assiste à une vulgarité, à un manque de personnalité, à un manque d'estime de soi propre, son propre estime. Parce que mes soeurs, mes frères, comme j'ai toujours dit, nous avons tous des cadavres chez nous.
nous avons tous des cadavres. Il dit, nous avons tous des cadavres. Vous savez, la prostitution, c'est l'argent facile. Quand je vous dis que je ne combats pas, parce que vous savez combien de personnes qui font ce métier nourrit des familles en Afrique? Énormément. Énormément. Parfois, c'est la pauvreté qui nous fait faire ça. Parfois, c'est la pauvreté qui fait faire ça à certaines personnes. Parce que moi, je ne le fais pas. Parfois, c'est la souffrance, c'est le bagage qu'on nous met sur la tête, qu'on appelle tous les jours pour demander. Tu ne vois pas comment la famille telle a construit. Tu ne vois pas comment les enfants de telle ont fait ça. Maman, arrêtez de motiver vos enfants à aller faire n'importe quoi. Il y a des années, je vous avais dit ici sur un direct que j'ai une amie. J'ai mon amie. Si je ne me trompe pas, elle est même là en direct. J'étais avec elle un jour. You're welcome to the most glamorous and the most fashionable red carpet in Central Africa with your hosts. Welcome to the red carpet of culture's biggest night, the number one award ceremony in Cameroon, of course, in Central Africa. More than 216 awards given out, thousands of nominations, and of course, more than 200 winners in the past 12 editions of Canal D'Or. And of course, the biggest award ceremony in Cameroon ever. Even when the culture industry, the culture industry, why, Steve? Because the artists are the gold and the gold. You got it. Let us check. Pendant deux ans, la sphère artistique confinée a continué de respirer quand les esprits au bord de l'asphyxie suffoquaient de panique, étouffés par la crise à COVID-19. L'art a été notre oxygène, célébrant plus que jamais la vie, ramenant les sourires derrière les masques de protection. Quand il nous était interdit, Steve, de nous serrer les mains, les mélodies nous enveloppaient de leur chaleur et touchaient nos cœurs. La distanciation sociale nous a rapprochés de nos écrans de télé et smartphone à la découverte de comédiens et web comédiens qui nous ont fait oublier ce tragique quotidien. Il faut dire, Steve, que la maladie a peut-être affecté les poumons, mais a laissé les cerveaux libres de création. Création de talents que nous célébrons ce soir. Parce que sans grande scène, ils nous ont réunis par millions, sans podium, ni haut-parleur, ils ont fait battre nos cœurs. Ladies and gentlemen, the storm is over. The rain has passed. Let this moon shine bright like a diamond. And welcome you to the 13th edition of Canal D'Or. For the next 19 minutes, you are going to witness high fashion. Oh my goodness. Glamour and excitement. Because all the stars of Cameroon and beyond came together tonight to shine and be part of the biggest event in Central Africa. And may just talk about stars. Tonight, we are 114 nominated, but only 19 of them. Seuls 19 auront le privilège d'avoir de l'or entre les mains. Et que leur nom entre dans la lignée de ceux qui ont eu la chance d'être primés un soir.